Bonjour, mon nom est Louise Pratt. Je vais vous présenter les capsules pour le préscolaire. Alors, je commence par un titre que vous connaissez, un album que vous connaissez bien, qui s'appelait, pour marquer la différence, il s'appelle Ouzi Lapin, ici, alors qu'il s'appelait Guili Lapin. Pourquoi ils l'ont refait? Pourquoi ils ont changé de nom? Ça nous a bien intrigué jusqu'à ce qu'on trouve la réponse. Si je compare avec celui qui paraît chez Lutin et Poche, c'est qu'ils ont simplement changé le temps des verbes. C'était écrit au passé simple et on s'est fait dire, l'éditeur s'est fait dire que c'était difficile pour les enfants de comprendre le passé simple quand on a 3 ans, 4 ans. Donc, c'est la même histoire. Pourquoi le changement? Très sympathique histoire, hein? On connaît tous Mo et Ben et cette histoire-là en particulier qui est vraiment amusante. Bien, les parents l'ont déjà vécu, ça. Le coup du jouet perdu dans la laveuse ou sécheuse. Alors, cette fois-ci, c'est son lapin. C'est le cœur de sa vie, ce lapin. Alors, la différence, hein, permettez-moi de prendre une page au hasard. Alors, la phrase ici, main dans la main, ils ont descendu la rue. Alors, dans l'autre version, c'est main dans la main, descendir la rue. Descendir la rue. Vous voyez la différence? Donc, ils ont descendu, ici c'est descendir la rue. Et c'est là quelle est la différence. Et pourquoi on a changé le prénom du lapin? C'est parce que dans la vraie histoire, parce que Mo et Lem fait des remerciements à la fin de l'histoire, il remercie sa voisine à qui il a volé cette histoire-là. Parce que c'était arrivé à l'enfant de la voisine. Et le petit enfant en question, son lapin, il s'appelait Goosey. Alors, voilà. C'est l'histoire de l'histoire, mais très certainement, toujours l'avoir au moins un exemplaire en classe ou en bibliothèque. Alors, ici, vous avez ce titre-là, un livre, c'est magique. Je pense que je n'ai pas besoin de dire que c'est vrai. Un livre est magique. Et c'est bien à compter. Alors, prenez, un livre, c'est comme un trésor. Fait à noter, c'est que c'est une écriture cursive, je sais pas. Plusieurs n'aiment pas ça. On apprend plutôt en script ici au début, mais c'est donc cursif. Et c'est un livre à volet. Alors, on peut trouver des trésors et elle sort le livre, l'île au trésor. Et c'est comme ça tout le long. Les illustrations sont dynamiques. Les personnages sont sympathiques, mais comme vous voyez, il y a peu de place pour l'écrit. Tout est dans l'image et dans le dit. Un livre, ça permet de se faire des amis. Un livre, ça se lit un peu partout. On peut le partager. Enfin, voilà. Un autre livre qui me donne l'envie de lire des livres, d'aimer les livres. Ah, ce livre-là. Qui, pour moi, au premier regard, tu sais, bon, qu'est-ce que c'est? Tu sens plus, hein, c'est des couleurs pastel et tout ça, mais il faut l'ouvrir, il faut le lire. Vous voyez tout ce que j'ai mis comme petit post-it? C'est pas pour rien. C'est pour donner différents exemples de ce livre qui est minimaliste. Le texte est beau. Ça donne l'envie de l'aider, ça, certainement. Surtout qu'ils viennent à peine de nous le laisser. On voudrait le retrouver. Alors, un exemple ici. Tu fais quoi? Je cherche un gant, mais il y en a plein, des gants. Oui, mais il n'y en a aucun de la main droite. Alors, vous voyez l'image, c'est juste des gants de main gauche. On va parler de petites fourmis qu'on observe. T'as oublié la moitié de ton sandwich? Non, ça, c'est les croûtes. J'en veux pas. Mange pas les croûtes. Alors, c'est simple. C'est des situations simples. Et souvent, il y a une illustration comme celle-ci où le bambin essaie d'attacher ses lacets. Régulièrement, dans l'histoire, on a ça. Et à la toute fin,
on voit l'enfant qui a enfin réussi. Alors, c'est des situations, j'ai réussi, bravo. C'est des situations de vie tout simple au quotidien dans la maison d'été des parents. Et puis ça, c'est toujours une surprise quand on habite une maison qui est trois saisons, on va dire. On retrouve des vieilles choses, on retrouve des bottes qui ne font plus. On retrouve des souvenirs, des petites roches, une gomme collée sous la table. Vous voyez, c'est simple, mais ça donne le goût de l'été, c'est beau, c'est presque poétique. Vous êtes capable de les avoir? Celui-ci, vas-y, Jabari. Jabari, on a connu ce personnage-là l'année dernière, il y a peut-être 18 mois, Jabari plonge. Alors, je pense que je préfère celui-ci même. Alors, c'est Jabari, cette journée-là, il décide qu'il veut se construire un avion qui vole. Puis ça marche pas. Puis il y a sa petite sœur qui vient le déranger quotidiennement, constamment. Et lui, ça l'énerve, et le papa dit, mais non, tu devrais plutôt utiliser la vivacité de ta sœur pour joindre vos énergies et inventer cet avion que tu veux construire. Puis ça fonctionne jamais, ça fonctionne jamais. À la fin, bien sûr, à force d'essayer différentes manières de faire voler cet avion de papier, ils vont réussir à deux. Donc, une belle relation, frère-sœur, belle complicité, persévérance, c'est tous les thèmes que l'on peut retrouver dans ce livre-là. Oh, un monstre! Alors, c'est bien le temps des monstres à commencer. Alors là, cette fois-ci, c'est un écureuil qui entend, voit un monstre. Alors, il dit à son ami de la forêt, il dit, mais non, ça peut pas être un monstre, c'est moi le monstre, c'est moi le plus méchant, c'est moi le plus dur, enfin, le plus fort dans la forêt. Qui va le dire à un autre ami, qui va dire la même chose, mais ils sont quand même tous à la recherche de ce monstre. Et ce monstre, on va l'apercevoir à la fin. Il est très bruyant, il y a beaucoup de mots, de vocabulaire. D'ailleurs, il y a des mots qui sont soumis en rouge. Là. Alors, le monstre, c'est une pelle mécanique. Alors, évidemment, pour les habitants de la forêt, il n'y a pas pire monstre qu'une pelle mécanique. Alors, ils vont avoir complicité entre les amis. Ils vont décider d'arrêter le fonctionnement de cette pelle mécanique. Alors, je crois, si on voit bien, que l'écureuil va mettre dans l'engrenage des noisettes, ce qui va empêcher la petite pelle de fonctionner et donc ils auront sauvé la forêt. Tout le monde joue. Alors, ça, c'est un très beau livre aussi. Regardez la qualité des illustrations. C'est tous des animaux. Ils se poussent, les animaux bruissent, ils se prêchent. Les animaux lire à l'envers. Alors, nous jouons nous aussi, les enfants jouent. Nous jouons nous aussi, Kémé, Taoué, Mina. Alors, je parle en cri. Les animaux nagent et frétillent, les animaux guettent et chantent. Alors, beaucoup de vers comme ça. Les animaux se cachent et sautent. À la fin du livre, on a les mots qui nous expliquent la langue, finalement. Et ce pouce se bécote. Et c'est intéressant dans le contexte que l'on vit, où on a beaucoup parlé des peuples autochtones cette année. Eh bien, c'est une occasion de faire, d'en parler, de parler d'animaux et d'essayer de prononcer les mots en langue autochtone. Mais dans ce cas-ci, c'est la langue des cris. Sinon, je les vois. La fin des poux. Ah ben là, ça c'est une histoire qui nous fait se gratter. Alors, c'est un combat de poux, si on peut dire ça comme ça. Les poux, n'est-ce pas, comme on sait, qui sont dans nos cheveux. Comme les enfants doivent garder une distance, c'est moins pire. Alors, il faut que les poux. Confirmé par une enseignante tantôt, elle me disait, il y en a beaucoup moins cette année, c'est sûr, avec le 2 mètres de distance, avec toutes les précautions que l'on connaît actuellement, ça ne serait pas en moins. Donc, les poux doivent trouver des stratèges, doivent trouver moyen de faire que les enfants se collent quand même les têtes pour pouvoir sauter d'une tête à l'autre. Donc, très amusant.
comme je vous dis, à la fin de cette histoire-là, on a vraiment, comme me disait ma collègue, on a comme tendance à vouloir se gratter les cheveux. Et très à la page aussi, vous voyez ici dans l'illustration, on voit les masques lavés, suspendus. Donc on est dans l'air du temps, on est dans le temps présent, dans ce que l'on vit, mais à travers une histoire de amusant. Il y a beaucoup de matière à rire dans ce livre-là. Orbi, qui est un illustrateur, auteur, que l'on aime beaucoup. Alors, ici, je vous présente un livre d'Olivier Talek, qu'on aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez Olivier Talek, mais il fait toujours des choses assez formidables. Et dans ce cas-ci, vraiment, il s'est beaucoup amusé. Alors là, beaucoup, beaucoup. Je vous dirais quasiment, son imaginaire, il déborde. Il s'éclate complètement là-dedans. Alors, on va parler d'arbres, de toutes sortes d'arbres. Le peignet-peignet ou pommier à peigne. Alors, vous voyez un arbre ici avec des peignes. Je vais en piger comme ça au hasard. L'arbre à marteau. Hein? Alors, évidemment, ce que l'on dit, c'est qu'on n'est pas supposé dormir, faire la sieste sous un arbre à marteau, c'est dangereux. Il y a de l'humour. Ces illustrations sont toujours aussi belles. L'oragier, alors, l'arbre parapluie. Et celui-ci, il y a aussi des plantes. Et dans ce cas-ci, c'est la plante magicienne. La plante magicienne, parce que quand on met notre bras dedans, on en sort un lapin. Et les lapins trouvaient ça bien drôle au début, bien sûr, mais là, ils commencent à être tannés. Vous voyez, il y a beaucoup de clins d'œil. C'est juste amusant, puis ça invite peut-être à faire une activité avec les enfants. On invente de nouveaux arbres. Alors, vous allez voir, ça titille l'imaginaire, ça peut donner l'envie aux enfants de s'en créer effectivement d'autres sortes d'arbres. Puis bon, les textes sont assez courts, dégagés. Bon, un arbre cornet, waouh, on a tous envie de le lécher, sauf que ça goûte l'arbre. C'est pas si intéressant. C'est bien. C'est bien amusant, bien dynamique ce livre-là. Et ça se termine comme ça, au plaisir.